La mer, le soleil, la musique. Pendant 10 jours, la station balnéaire d'Antibes-Juan-les-Pins vit au rythme du festival de jazz. Chaque été, la scène mythique est montée dans ce décor de rêve entre la Pinède et la plage. Passionné, Gilbert Dalto ne raterait ce rendez-vous pour rien au monde. Il vient ici depuis 40 ans. C'est un grand festival, c'est un festival légendaire, Antibes-Juan-les-Pins, depuis 1960. Sur le 58e anniversaire, c'est quand même quelque chose. Il y a de très grands musiciens qui sont passés ici. Des stars, Miles Davis, Ray Charles, John Coltrane, tous sont passés par Juan, qui a connu ses heures de gloire dans les années 60. L'occasion de découvrir pour la première fois sur scène les plus grands jazzmen américains. En 2018, les parasols sont toujours là et les mélomanes ravis de faire rimer bronzette et trompette. Quand on se baigne et qu'on entend les répétitions, c'est très agréable. Le lieu est assez prestigieux, hein. C'est un décor naturel avec la mer en arrière-plan, le coucher de soleil, enfin oui, c'est superbe. Hein. Ce soir-là, ils sont impatients de découvrir la star du festival, une américaine de 33 ans à la voix chaude et sensuelle, Melody Gardot. Ah, Melody Gardot, elle a une grande qualité, à mon avis, en dehors de ses talents de chanteuse et de pianiste, c'est qu'elle a su ramener le jazz au grand public. Goodbye was just a little world you land. Somewhere somebody that you bound. Moi, je trouve que c'est très, très, très important de toujours avoir une connexion avec le public parce que nous sommes des gens comme le public, des humains. Il ne faut pas oublier que nous sommes des artistes qui partagent quelque chose qu'on sent et on a des espoirs que tout le monde y sent la même chose. Des stars qui jouent la nuit et au crépuscule des valeurs montantes comme ce pianiste arménien. Vous avez vu Tigran Amassian qui est étonnant comme musicien. Il joue très, très bien, mais... C'est une musique inhabituelle à Juan, mais on a bien aimé quand même. Une programmation éclectique dans un lieu paradisiaque. D'ici dimanche, le festival devrait accueillir près de 25 000 spectateurs.